Si c'est 8,2, il y aura un petit problème. Et si c'est 10 milliards, comme on croit à peu près, il y aura un assez gros problème. On sait en nourrir 6. J'en sais rien ce que vous allez manger demain. Personne n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir nourrir les gens. Donc finalement, on dit la cuisine d'aujourd'hui, elle va changer. Même si on l'aime beaucoup, même si c'est la cuisine de grand-mère, elle va nécessairement changer. Pas pour vous ni pour moi, nous on sera morts, donc on est tranquille. Mais pour les jeunes, ils ne connaîtront plus la cuisine d'aujourd'hui. On est dans l'herbe coupée, vous voyez l'huile d'olive un peu fraîche, un peu verte. Voilà. Quand on allait composer des aliments, on peut tout faire. Parce que si vous avez du bœuf et des carottes, vous faites du bœuf-carotte. Mais si vous avez les 500 composés du bœuf et les 500 composés de carottes, vous pouvez faire 500 fois 500 combinaisons.
Je ne suis pas en train de dire que la cuisine note à note va remplacer la galette bretonne. Je suis en train de dire que le jour où on a Bach, Jean-Sébastien Bach toute la journée, on en aura la casquette. Le jour où on a Mozart et Bach, on a plus de choix. Le jour où on a Bach, Mozart et Debussy, c'est encore mieux. Et bien donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on ait la cuisine traditionnelle et la cuisine moléculaire et la cuisine note à note. Il n'y a pas de raison de choisir. Je termine avec ça. Quelle que soit la cuisine que vous allez faire, s'il vous plaît, n'oubliez pas que la cuisine, c'est d'abord de l'amour. Il ne s'agit pas d'aller faire des plats qui gonflent, il s'agit d'aller faire quelque chose qui a bon goût, et puis surtout de le dire en disant, voilà, je l'ai fait pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je t'aime. La cuisine, ça veut dire, je t'aime. La première chose en cuisine, ça ne consiste pas à battre des plans en neige, ça consiste à apprendre à...